bougies parfumées. Vous me répondez, Yankee Candle. Mais si je vous rajoute brume pour le corps, accessoires, lait pour le corps, bain moussant et compagnie, vous me répondez Bath and Body Work. Donc voilà un petit haul. Ce petit haul va être fait en deux fois parce que je voudrais vous expliquer comment j'ai fait pour commander sur ce site, par quels moyens, et après je vais vous présenter les brumes, mais je pense que ça va être un petit peu long si je fais tout en même temps, donc voilà, donc ce sera une partie 1, partie 2, voilà. Donc, Bath and Body Works, tout le monde connaît, c'est apparemment, mais ça ne m'étonne pas plus que ça, une marque dérivée de Victoria's Secret, qui est réputée pour ses bougies parfumées, mais pas que, également pour ses brumes corporelles, pour tout ce qui est lait pour le corps, vous avez des crèmes pour les mains, vous avez du produit moussant pour le bain, et vous avez notamment les petits, vous savez, désinfectants pour les mains, voilà, ils sont très très réputés pour ça également. Moi, pour cette commande, je me suis dit, je ne vais pas prendre de bougies parce que j'ai mes bougies Yankee Candle. Et comme ça vient en plus des États-Unis, je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie qu'elles soient cassées ou que ce soit. Donc, je me concentre sur les brumes et sur les produits pour le bain. Donc, comment j'ai fait ? En fait, il faut savoir que Bath & Body Works ne livre pas en France. C'est impossible. Voilà. Vous avez des sites genre V-Inc tout court, qui commercialise les produits, mais pas tous. Et moi, certains dont j'avais envie n'étaient pas sur ce site-là. Donc je me suis dit, allons directement à la source. Ce qu'il s'est passé, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, enfin vous connaissez certainement, excusez-moi, je suis en train de, hop, voilà, je voulais pousser quelque chose. Vous connaissez certainement les sites genre Shipito, myus.com, ou il y a aussi myadresse.com, quelque chose comme ça, qui sont des sites qui vont vous créer une adresse fictive, aux États-Unis pour pouvoir commander sur les sites qui ne livrent pas en France. Et ensuite, eux se chargent de réceptionner votre colis, de le rempacter si vous avez plusieurs colis en attente et de vous l'envoyer. Ces sites-là ont des frais par système d'abonnement. Donc pour Shipito, je crois, alors, comme je ne me suis pas vraiment intéressée au problème, je crois que vous pouvez payer ou en une fois, c'est 30$, je crois, quelque chose comme ça, ou vous avez 7$ par mois pour un certain nombre de choses, ou un abonnement un petit peu plus élevé qui là vous permet de vous faire livrer plusieurs paquets en même temps, remis dans un seul et compagnie. Bon, bref, j'avais vu plusieurs vidéos sur ces sites-là et plusieurs personnes disaient qu'ils avaient eu des frais de douane des frais de douane en recevant leur colis, que ça s'était pas forcément bien passé, que certaines choses, notamment pour les bougies, étaient arrivées cassées. Donc moi, pas trop fan de ce truc-là, mais bon, je m'étais dit, si j'ai pas le choix, je passerai par ça. Si j'ai pas le choix, on a toujours le choix, hein, mais bon, voilà. Et j'ai trouvé sur, sur YouTube et puis d'autres personnes, vous allez forcément connaître aussi, Leslie Shopping USA. Alors, Leslie Shopping USA, c'est quoi ou c'est qui, devrais-je dire? C'est une jeune femme qui habite Miami, qui se charge en fait de réceptionner vos colis chez elle et qui vous les renvoie après, bon, bien sûr, moyennant les frais de transport, mais au moins, je sais pas, moi, avoir directement un rapport avec quelqu'un, pouvoir lui poser des questions, pouvoir lui parler, je trouvais que c'était plus sympathique. Donc, pour trouver Leslie Shopping USA, vous allez sur Facebook, vous tapez Leslie, comme ça se prononce, L-U à la fin, Shopping USA, et vous allez voir apparaître sa page. À partir de ce moment-là, vous
cliquer sur amis ou je ne me rappelle plus si c'est une page normale ou si c'est une page de voilà où il faut aimer, voilà. Mais à partir de ce moment-là, vous pouvez contacter Leslie, de son vrai prénom, hein, par message privé, et elle vous explique exactement la marche à suivre. Donc, comment ça fonctionne? Vous commandez sur un site, donc moi en l'occurrence Bath & Body Works. Alors, autant vous dire que dans la vidéo, je vais l'appeler Bath, hein, parce que ça va être trop long, c'est noir. Voilà, on va faire simple, on va faire condensé, hein. Donc, je suis allée sur le petit site de Bath. J'ai commandé tout ce que j'avais à commander. J'ai rentré l'adresse personnelle de Leslie. Voilà. Ils m'ont dit, bah ok mademoiselle, pas de problème, nous vous livrons ça, il n'y a pas de souci, youpi youpi. Donc j'ai commandé le 3 novembre. Donc j'ai commandé le 3 novembre. Le 6 novembre, Leslie me disait qu'elle avait bien reçu mon colis. Alors elle vous envoie en plus une photo, bien sûr, elle ouvre le colis pour voir si tout va bien, pour que vous vérifiez vous exactement si, bien sûr, c'est bien tout ce que vous avez commandé. Donc moi j'avais 10 produits. Donc je lui ai bien stipulé, voilà, moi j'ai 10 produits. Vous lui envoyez bien sûr, en amont, vous lui envoyez votre commande avec votre numéro de commande. Comme ça, elle sait quand ça arrive chez elle à qui ça appartient. Comme ça, à qui elle peut dire, attention, j'ai reçu ton colis. Youhouhou. Donc voilà, donc forcément, elle a la liste aussi de ce que vous avez acheté. Donc elle peut vérifier également de son côté. Donc moi, je lui ai dit, bah, j'ai 10 produits, donc est-ce qu'il y en a 10? Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, tout est là. Bah, écoute, je te le renvoie. Alors, pour bien sûr qu'elle vous le renvoie, il faut payer les frais de livraison, chose qui est tout à fait normale. Hein, voilà. Donc, elle m'a dit, ok, bah, comment je fais pour... voilà. Donc, je lui ai demandé comment on fait pour que je, voilà, pour que je te paye ces frais-là et tout. Chose génialissime, elle passe par PayPal, donc aucun problème. Je lui ai envoyé donc mon paiement par PayPal le dimanche, dans l'après-midi, le dimanche en fin d'après-midi, donc pour elle, 6 heures de moins, hein. Donc le dimanche, c'est arrivé 5 minutes après sur son compte, peut-être une demi-heure plus tard, elle me disait, voilà, ton colis est parti, et ça a mis une semaine pour arriver. Ouais, c'est-à-dire que je l'ai eu mardi matin, on était, donc on est le 19, 18, 17, voilà, on était le 17, entre ma commande de chez Bath & Body Works directement sur le site, la livraison chez Leslie, le reconditionnement pour qu'elle me le renvoie et l'envoi, ça a mis 15 jours. C'est pas génial ça? C'est pas génial. Voilà. Donc, merci Leslie, parce que franchement, je pense que je vais abuser et re-abuser de ta gentillesse, parce qu'en plus, c'est une jeune femme, femme, voilà, je ne connais pas son âge, et puis on s'en fiche un peu, hein. Mais c'est une personne qui est adorable, qui est vraiment à votre écoute, qui est là pour vous rassurer si vous avez un problème. Il n'y a pas de souci. Voilà, franchement, moi je l'ai harcelée de questions, la pauvre, et elle a toujours été super disponible pour me répondre, très rapidement en plus. Donc franchement, franchement, merci Leslie. Je ne pense pas que tu regarderas cette vidéo, mais franchement, s'il y a des personnes qui te connaissent et qui regardent mes vidéos, eh ben écoute, voilà, passez-lui le bonjour de ma part, et je pense qu'on continuerait notre petite collaboration, surtout qu'il y a le Black Friday qui arrive bientôt. Bref, ça, petit aparté, nous en parlerons un peu plus tard. Voilà.